Allô tout le monde, aujourd'hui je vous parle du microbiote parce que le microbiote, là, je trouve ça tellement fascinant. La science est en émergence, en ébullition. Et puis on se rend compte que les micro-organismes en fait qui sont logés dans notre intestin, on parle de 100 000 milliards de micro-organismes, essentiellement des bactéries, mais aussi des virus, des levures, ça peut être des parasites. Donc des bons micro-organismes, des moins bons micro-organismes, puis c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui va influencer la santé physique et mentale, et c'est ça qui est si intéressant. D'abord, santé physique, on s'est rendu compte que les gens qui ont un microbiote qui est défavorable ou qui n'est pas suffisamment diversifié ont plus de risques de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Là, reste à voir, est-ce qu'on peut intervenir pour réduire le risque de ces maladies-là en modifiant notre flore intestinale, l'ancien mot pour le microbiote? Ça reste à voir, mais il y a des pistes de recherche qui sont super intéressantes. Maintenant, santé mentale aussi. Pourquoi santé mentale? On dit toujours, ben l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a un lien bidirectionnel entre l'intestin et le cerveau qui communique dans les deux sens via le nerf vague. Et ça, on le voit, si un événement stressant, par exemple, vous avez une présentation, vous avez un pitch, peu importe, vous êtes stressé, souvent il y a des douleurs abdominales, des fois il y a une diarrhée, il y a des symptômes gastro-intestinaux. Et à l'inverse, on se rend compte qu'un intestin qui est défavorable va amener de l'anxiété, du stress, peut-être même la maladie d'Alzheimer. En tout cas, c'est fort prometteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette là, si on veut moduler de façon favorable notre microbiote? Premièrement, les fibres alimentaires. Les experts du microbiote nous disent même qu'on devrait aller chercher un 25 à 50 grammes de fibres alimentaires par jour. On est à peu près au Québec à 15 grammes, donc on a beaucoup d'efforts à faire. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix, les graines. Donc, l'alimentation essentiellement végétale, c'est très, très bon pour le microbiote. Quand on étudie le régime des végétariens, mais on se rend compte que les végétariens ont vraiment un microbiote qui est plus diversifié. Donc, essentiellement, relié aux fibres alimentaires. Deuxième conseil, les probiotiques. La définition officielle, en fait, des probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants. Le mot « vivant » est bien important. Hein? Il faut qu'il y ait une action positive sur la santé de l'autre, donc de l'être humain. Et pour ça, ben ça doit passer à travers l'estomac, les enzymes, survivre, puis aller faire leur action spécifique au niveau de la flore intestinale, donc au niveau du microbiote. C'est pas tous les yogourts qui sont des probiotiques, hein, parce que les yogourts ont des bactéries lactiques, mais qui n'ont pas nécessairement d'action probiotique. Recherchez le mot probiotique, même sur les yogourts végétales en vogue, recherchez le mot probiotique, il y en a de plus en plus sur le marché. J'ai trouvé des céréales pour bébés avec probiotiques également. Donc, les fibres, les probiotiques, les aliments fermentés ne rentrent pas nécessairement dans la catégorie probiotique. Ceci dit, c'est très intéressant, les aliments fermentés, qu'on parle du tempeh, du miso, c'est vraiment intéressant pour la santé, même s'ils n'ont pas d'action probiotique telle que le veut la définition officielle. Maintenant, les prébiotiques. Prébiotiques, c'est quoi? Vous ne voyez pas ce que j'ai, mais j'ai des poireaux parce que ce sont des il y a des prébiotiques à l'intérieur, bananes, oignons, ail, ma petite tatinade de fruits. Au chia, on a de l'inuline. L'inuline qui confère une certaine douceur sans amener du sucre. C'est une fibre prébiotique qui est extraite, en fait, de la racine de chicorée. Donc, j'en ai dans ma tartinade, on en a dans certains pains de la boulangerie Saint-Méthode, de l'inuline aussi. Et ça, c'est prébiotique, ça veut dire que c'est la nourriture des probiotiques. Ça va stimuler l'activité et ou la croissance des bons micro-organismes, essentiellement des bifidobactéries qui sont avec les lactobacillus là, probablement les plus étudiés dans le domaine des probiotiques. Donc, en rappel, je répète, des fibres alimentaires, des probiotiques, des prébiotiques, des aliments fermentés, tout ça nourrit, alimente notre microbiote. C'est là où on en est avec la science et je vais revenir sur le sujet, c'est certain, parce que c'est une science qui est fascinante. Je lis toutes les semaines sur le sujet, donc gageons que dans quelques mois, je saurai vous en apprendre davantage. Alors, à bientôt!